Bonjour, Madame Rosa. Bonjour, Mona. Ça va la santé, Madame Rosa? La santé, je ne souhaiterais pas un chien, Madame Lola. C'est mes jambes qui portent plus, quoi. Tenez, donnez-moi ça. Merci. Allez, au revoir, Madame Rosa. Allez, au revoir, Madame Lola. Je vais mourir, moi, dans ces escaliers. Famille, ça veut rien dire, la famille. Moi, j'en connais des familles. Ils partent en vacances en abandonnant leur chien. Ils l'attachent à un arbre. Tu sais combien il y a de chiens, parents, qui meurent de chagrin parce qu'on les a abandonnés, tout seuls. Moi, je ne suis pas un chien. Et toi, qu'est-ce que j'ai de plus cher au monde? Pourquoi tu reçois des mandats pour me garder? L'homme resta un moment sans parler. Puis, il dit brusquement... Tu n'as donc pas de mère? Je ne sais pas, répondit l'enfant. Avant que l'homme eût le temps de reprendre la parole, elle ajouta, je ne crois pas. Les autres en ont. Moi, je n'en ai pas. Après un silence, elle reprit, je crois que je n'en ai jamais eu. La figure maigre et chétive de Cosette se dessinait vaguement à la lueur du ciel. « Comment t'appelles-tu » dit l'homme. « Cosette. »« Je veux ma mère, tu n'es pas ma mère. Je veux ma mère, tu n'es pas ma mère. » »« Oh, ça suffit maintenant, Moumou, hein. Tu sais comment ça va finir, hein. »« Je veux ma mère, tu n'es pas ma mère. Je veux ma mère, tu n'es pas ma mère. Vous allez vous taire, hein. Vous allez vous taire. Je veux maintenant l'assistance publique, moi. Je veux ma mère, je veux ma mère. Est-ce que j'ai une mère, moi? Petit prétentieux. D'ailleurs, t'es prétentieux comme tous les Arabes. On vous donne la main, vous voulez prendre le bras. T'es un petit meneur. Et les meneurs, tiens, on les met dans les prisons. Ta mère, elle voit tout ce que tu fais. Alors, si tu veux la revoir un jour, il faut mener une vie propre et honnête. Tu comprends? Alors écoute, Momo, t'es l'aîné, tu dois montrer l'exemple, hein, et puis nous faire le bordel ici avec ta maman. D'ailleurs, vos mamans, je vais vous dire,
Vous avez peut-être de la chance de ne pas les connaître, parce que à votre âge, j'ai encore la sensibilité. Mais vos mamans, c'est des putains comme c'est pas permis. Et des fois, on croit rêver, même, alors. Et une putain, tu sais ce que c'est, hein? C'est des personnes qui se font avec leur cul. Je crois que c'est beau de parler comme ça. Vous aussi, madame Rosa, vous êtes défendue quand j'étais jeune et belle. Écoute-moi, Maud. T'es un bon petit, hein, mais... Faut que tu tiennes tranquille. Parce que j'ai besoin que tu m'aides. Hein? Madame Rosa, bon, pour ma mère, je sais que c'est pas possible, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir un chien à la place? Un chien? Un chien là-dedans? Non, mais ça va pas, Momo, non? Puis dis donc, un chien, faut le nourrir, hein? Et qui c'est qui lui enverrait ses mandats au chien? Oui, tiens, il faudrait même venir tout seul. Oh, il est gentil. Vous connaissez, il est gentil, hein? Voilà, bien gentil. Hein, caressez, vous n'avez pas peur. Il est dit, un instant d'amour vaut mieux que 70 ans d'adoration sans amour. Et Sidi Abderrahman, le patron d'Alger, a dit, aime qui tu voudras, il te faudra le quitter. Vis comme il te plaira, il te faudra mourir. Lis encore. Monsieur Amil, pourquoi est-ce que vous avez toujours le sourire ? Je remercie ainsi Dieu chaque jour pour ma bonne mémoire, mon petit Mohammed. Il y a 50 ans, quand j'étais jeune, j'ai rencontré une femme qui m'a aimé. Et que j'ai aimé moi aussi. Ça a duré 8 mois après, elle a changé de maison. Je m'en souviens encore, 50 ans après. Monsieur Amil, quand j'étais plus petit, vous m'avez dit qu'on ne pouvait pas vivre sans amour. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai dit ça. Oui, monsieur Amil. Monsieur Amil, pourquoi est-ce que vous ne me répondez pas? Mon petit Mohammed, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Monsieur Amil, est-ce qu'on peut vivre sans quelqu'un à aimer? Qu'est-ce qu'il est beau! Il est à toi, ce petit chien? Oui. Tu me le donnes? Il s'appelle comment? Super. Il est à vendre? Je ne sais pas. Combien tu veux? 500 francs. Docteur, je vous prie d'examiner bien cet enfant. Vous m'avez défendu l'émotion à cause de mon cœur. Il est allé vendre ce qu'il avait de plus cher au monde et il a jeté 500 francs dans l'égout. Alors même à Auschwitz, on ne faisait pas des choses comme ça. Oui, oui, madame Rosa, je ne comprends pas du tout. Qu'est-ce qu'il a vendu? Il est complètement dérangé. Complètement. Alors, je voudrais qu'on lui fasse une prise de sang.
Parce que j'ai peur qu'il soit syphilitique en tant qu'arabe. Madame Rosa, ça ne vaut pas du tout de dire des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hein? Syphilitique, arabe. C'est des rumeurs d'Orléans, ça. Oui, oui, c'est en répandant des bêtises comme ça qu'on finit par se retrouver un beau matin à Auschwitz. Bon, alors maintenant, dites-moi exactement ce qui s'est passé. Eh ben, il a pris 500 francs et les a achetés dans l'égout. Ce chien, il y tenait comme c'est pas permis. Il le prenait dans ses bras la nuit pour dormir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va le vendre et il jette l'argent. C'est vrai, ça, Momo? Cet enfant-là n'est pas comme les autres. Et moi, j'ai peur d'un cas de folie brusque. Vous savez de quoi je veux parler, docteur? Je peux vous assurer qu'il ne se passera rien, madame Rosa. Absolument rien. Oh, ben, il n'y a pas lieu de pleurer, mon petit Momo. Hein? Après tout, tu peux pleurer si ça te fait du bien. Il pleure souvent? Mais jamais, jamais il pleure, cet enfant. Dieu sait que je souffre. Tiens, Momo. Ça va déjà mieux, il pleure. Il se développe normalement. Vous avez bien fait de me l'amener, madame Rosa. Bon, je vais vous donner des tranquillisants. Hein? Voilà. Prenez-en deux par jour. C'est seulement de l'anxiété que vous avez. Quand on s'occupe d'enfants, il faut beaucoup d'anxiété, hein, docteur, parce que sinon, ils deviennent des voyous. Au revoir, docteur. Merci. Au revoir, madame Rosa. Mais non, je vous le répète, il m'est impossible de le garder. Cet enfant est trop âgé pour sa classe. Oui, madame la directrice, puisque je vous dis qu'il a 11 ans. Oh, enfin, madame. Il a toujours souffert de troubles de précocité, hein, Momo. Tenez, la date, là, vous pouvez voir.
Voilà, là, c'est écrit. Il aura 11 ans dans un mois. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, à la dernière visite médicale, tu veux aller attendre dans le couloir, Mohamed. Ah, fais ce que dit madame la directrice, allons. Allez. L'école, tu sais, c'est pas tout dans la vie. Hein. C'est pas l'école qui fera de toi un mensch. Tandis que avec monsieur Amil, t'apprends bien l'arabe et lui, il fait de toi un bon petit musulman. Comment vous savez que je suis arabe et pas juif comme vous, madame Rosa? Comment je le sais? Tu crois pas que c'est pour mon propre plaisir que je t'élève comme musulman, hein? Et puis, de toute façon, quand on est dans la merde, juifs, arabes, tout ça, ça compte plus. Et si les juifs et les arabes te tapent sur la gueule, c'est parce qu'ils sont pas différents des autres, voilà. Et comment ça se fait que j'ai pas de père et j'ai pas de mère, et que vous, vous avez des papiers qui prouvent que je suis né? Oh, dis donc, t'en poses beaucoup des questions, toi, aujourd'hui. Les papiers, ça sert à rien. Si la police française venait faire des perquisitions chez moi, moi je pourrais leur prouver que j'ai jamais été juif depuis des générations et des générations. Même les Israéliens, ils pourraient rien prouver contre moi. De toute façon, vous n'avez plus rien à craindre, madame Rosa. Les Allemands, c'est fini. Ils ne peuvent plus vous embêter. Dis ça, Momo. On dit ça. Laissez, madame Rosa, c'est pour moi. Amédée. Je vais d'ailleurs bientôt venir vous rendre visite, en tout bien tout honneur. Vous allez m'écrire une belle lettre. Mais ne t'inquiète pas, Amédée, je t'écrirai ta belle lettre. C'est bien de penser à ses parents comme ça. Ils doivent être fiers de toi là-bas. Hein? Mais tout le monde est fier de moi, madame Rosa. À Pigalle, les Corses m'appellent Monsieur Amédée. Je suis respecté et je suis le roi, madame Rosa. Le roi de Michigan. Michigan, qu'est-ce que vous dites, madame Rosa? J'ai un mot, c'est roi en juif. Voilà. Alors tu es le roi des rois, Amédée. Le roi des rois. Je suis le roi des rois. Entrez la petite demain avant midi, madame Rosa. Alors fais attention, hein, lui donne pas à bouffer que des bonbons, des gâteaux. Du sem-sem gomme. Non, vous inquiétez pas, madame Rosa. Je vous jure, je ferai attention. Alors, tu vois qu'elle t'oublie pas, ta maman, hein? Oui, tu verras, on va bien s'amuser. On va aller au manège, au cinéma, et puis on dormira ensemble. Hein? Qu'est-ce qu'elle est belle, ma gosse. N'est-ce pas que t'es belle? Tiens, maman, va voir ce que c'est. Madame Rosa. Au revoir, ma belle. Bonjour, madame Rosa. Bonjour, Salima. Au revoir. Oh, bah dis donc. Qui c'est qui t'a pas chéri comme ça? Madame Rosa, j'ai peur. Mais t'as peur de quoi? Mon homme, madame Rosa. Il veut m'envoyer à Dakar. Bah, qu'est-ce qui lui prend à celui-là? Je ne sais pas, madame Rosa, mais je veux pas y aller. Il me dit que je vais plus jamais revoir le petit. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire, hein? Il va me dénoncer, madame Rosa. Il me dit qu'on va m'enlever mes droits maternels et que le petit sera pris à l'assistance. Et que je ne le verrai plus jamais. Mais plus jamais. Je te jure, hein, comme je dis toujours, il y a des proxénètes et des vrais macros. Hein. Écoute, calme-toi, Salima, parce que moi, je vais t'arranger ça. Tu sais qui joue cet après-midi? Tu vois, monsieur Ndamédé. Alors lui, il va dire deux mots à ton Jules et tout va rentrer dans de l'ordre, je te le promets. Cher et vénéré père, cher et vénéré père, cher et vénéré père, oui, ça y est, c'est écrit ça. Alors, après. Je cherche. Je prends la plume à main et je vous salue. Permettez-moi de prendre de vos nouvelles. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien?
Tant mieux. Moi, je profite d'être en Europe et je fais des études tous les soirs au cours pour devenir entrepreneur des travaux publics. À mon retour, je ferai construire des ponts et des routes et aussi des barrages pour arrêter immédiatement l'eau et être le bienfaiteur de mon pays. Tu crois vraiment que tu as envie de réussir tout ça? Madame Rosa, mon père est vieux et respecté. Je ne dois pas lui faire honte. Je ne peux quand même pas lui dire que j'ai les meilleurs 25 mètres de trottoir à Pigalle. Ça ne se fait pas. Chers parents, je vais bientôt revenir au Niger. Pourquoi tu me dis jamais bonjour, mon petit Momo? Tu fais penser bonheur à mon fils. Et t'as la mère, Anis, avec sa maman. Elles reviennent demain. Ouais. Demain, c'est la fête du petit, et ce jour-là, il aura une bicyclette. Mais tu peux venir à la maison quand tu veux pour jouer avec lui. Oh. Oh. Arrête, Momo. 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 Il va nous faire des violences, c'est sûr. Il va aller chercher un couteau dans la cuisine et puis peut-être venir me tuer. Non, dites pas de bêtises, madame Rosa. Vous n'avez rien à craindre. Notre Momo, c'est un tendre, c'est pas une maladie. Et croyez-en, un vieux médecin, c'est... Les choses les plus difficiles à guérir, c'est pas les maladies. Vous savez bien pourquoi j'ai peur. Non, taisez-vous, madame Rosa. Vous êtes complètement ridicule. Vous croyez que vous comprenez quelque chose à tout ça et vous voulez... Ouais, imaginez Dieu, c'est quoi là, c'est... Madame Rosa t'a reçu quand tu étais tout petit, elle ne tient pas un registre de naissance. Elle a reçu et vu partir beaucoup d'enfants depuis. Elle t'a noté comme Mohamed, donc musulman, et puis l'auteur de tes jours n'a plus donné signe de vie. Le seul signe de vie qu'il a donné, c'est toi. Et tu es un bel enfant. Il faut penser que ton père a été tué pendant la guerre d'Algérie. C'est une belle et grande chose. C'est un héros de l'indépendance. J'aurais préféré avoir un père vivant, monsieur Ami. Il aurait mieux fait d'être un bon proxénète et de s'occuper de ma mère. Tu ne dois pas dire des choses pareilles, Mohamed. Et pourquoi on m'a renvoyé de l'école, hein? Madame Rosa a dit que c'est parce que j'étais trop jeune pour mon âge. Puis que j'avais pas l'âge que j'aurais dû avoir. Elle m'a traîné chez le docteur Kat, qui lui a dit que je serais peut-être très différent. Tu es un enfant très sensible, Mohamed. C'est ce qui te rend un peu différent des autres. La sensibilité, ce n'est pas ce qui tue les gens aujourd'hui. Est-ce que mon père était un grand bandit, monsieur Ami? Et que tout le monde en a peur même pour en parler? Non, non, vraiment, Mohamed, j'ai jamais rien entendu de tel. Et qu'est-ce que vous avez entendu, monsieur Ami? Rien. Rien? Rien. Monsieur Amil, vous avez oublié votre Coran? Non, je l'ai là dans la main. Mais c'est pas le Coran, monsieur Amil, c'est le livre de monsieur Victor Hugo. Tu crois, mon petit Victor? Mohamed, monsieur Amil. Je m'appelle Mohamed. Mohamed. Bien sûr, Mohamed, c'est ce que j'ai dit. Au milieu de la nuit, c'est quoi? C'est ma résidence secondaire. C'est mon trou juif. Tu comprends? Non, mais ça fait rien. Et ben, c'est là que je vais me cacher quand j'ai peur. Peur de quoi, madame Rosa? C'est pas nécessaire d'avoir des raisons pour avoir peur, hein. Timo! 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 Tim
Arrête de bouger, oh! Voilà ce qui vous fait rire, monsieur! C'est triste, non? Même scandaleux! Non! Prêter un enfant de la sorte! Non! Faut faire quelque chose, enfin! Ils sont au bout! Faut faire quelque chose! Voilà. Je regrette, Madame Rosa. C'est tout ce qu'il y avait aujourd'hui. Pas de mandat. Ça fait rien, Monsieur Mimoun. Peut-être demain. Je l'espère. C'est que t'as été tellement content tout le temps, toi. Hein? Ça fait 2 ans qu'il est ici gratuitement, voilà l'effet que ça lui fait. Bon, alors les enfants, ça va pas très fort, hein. Moi, je suis atteinte par la limite d'âge et les filles le savent. Elles savent très bien que je suis plus bonne à m'occuper de personne. Alors elles préfèrent payer un peu plus et puis aller chez Madame Sophie ou alors chez la mère Aïcha, rue d'Alger. Mais j'ai trouvé une solution pour 2 d'entre vous. Moïse, il y a une famille qui veut bien te prendre à laisser. Hein. Ils tiennent une épicerie cachère, Rubisson. Alors là, en tout cas, tu pourras manger. Et puis le soir, tu rentreras dormir ici. Hein. Puis on ne sait pas. Si tu leur plais énormément, peut-être que, et puis que tu le veux bien, peut-être qu'ils te gardent pour toujours. Hein. Michel. Il y a des gens qui tiennent un restaurant vietnamien, rue Monsieur le Prince. Ils veulent bien de toi. Alors là-bas, tu seras comme un coq en pâte. Mais de temps en temps, tu pourras venir dire bonjour à Madame Rosa. Tu me le promets, hein, Michel? Oui, Madame Rosa. Momo? Oui, Madame Rosa. Prends Banania, il va faire un tour. Emmène-le chez Monsieur Valumba. Cet enfant-là, faut qu'il voie du noir, parce que sans ça, plus tard, il va pas s'associer. Bien, Madame Rosa, tout de suite. Madame Rosa. Qu'est-ce que tu veux, maman? Je sais que vous ne recevez plus de mandat pour me garder. Où je te raconte, toi? Il faut pas avoir peur, Madame Rosa. Vous pouvez compter sur moi. Je ne vais pas vous plaquer simplement parce que vous ne recevez plus d'argent. Écoute, Clint. Ça va? Le boulevard Saint-Michel, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Certes, il y a beaucoup de cars de police. Mais on est moins embêté qu'ailleurs à cause des étudiants. Vous avez toujours avalé du feu, monsieur Walumba? Non, Momo. Je suis venu en France pour balayer. Mais je gagne mieux ma vie en avalant du feu, alors. C'est difficile à apprendre. Il faut savoir jouer avec le feu, Momo. Chez moi, au Sénégal, où j'étais reconnu comme médecin, le feu était la première chose qu'il fallait savoir pour chasser les mauvais esprits. Et Madame Rosa, comment elle va? Ses ennuis de cœur, ça ne s'arrange pas, monsieur Walumba. Elle siffle de plus en plus en respirant. C'est moi qui fais le marché, parce que les étages pour elle, c'est ce qu'il y a de pire. Où est-ce que tu vas en vacances cette année? Je pense pas tout à fait encore. Je pars ou je pars pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as toujours mon fou, hein? Qu'est-ce que tu as là? Ce qui t'arrive? C'est pas ta vie? Bon, alors je pensais. C'est pas moi, on va l'amener au commissariat. Tu veux qu'on t'emmène, je ne sais rien. Alors où tu veux partir? Hein? Chez toi? Hein? Où chez toi? Où aussi chez toi? Tiens, qu'est-ce que c'est celui-là là? Hein? Ça, c'est quand j'étais à Sidi Bel Abbès. C'est bien fini tout ça, tiens. Et ça? J'ai 18 ans. Et ça? Ça, c'est quand je me défendais à Vavin. Non, à Pigalle. Vavin, c'était après. Ça, c'est tout de suite après la guerre.
J'étais déjà plus la même, hein. Et lui, qui c'est? Le Félix. C'est Félix Blumenthal, à qui j'ai donné mon amour. Alors, il m'a piqué toutes mes économies, et puis il m'a dénoncé à la police française, comme juive. Mais bien, ça lui a pas réussi, parce qu'il s'est fait ramasser très peu de temps après, et il n'est jamais revenu d'Allemagne. Momo, va me chercher mon porte-monnaie là sur la cheminée. Encore avec ça qu'on va manger très longtemps, hein. Bon, bah, il faut que je me décide d'aller faire un tour chez les filles parce que... Avec deux, trois gosses à garder, on s'en sortirait. Seulement le malheur, c'est que celles que je connaissais ont disparu. Et les autres, je les connais pas. Et ma réputation est perdue. Qu'est-ce qu'on va devenir, mon... Ne vous en faites pas, Madame Rosa, ça va s'arranger. Monsieur Amédée a promis de nous aider. Et puis franchement, il faut maigrir, ça vous fera du bien. Le docteur Katz dit qu'il faut maigrir pour manger moins. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Allez, laisse-moi, je vais m'habiller. T'es mignon, tu sais. Je te connais, je te vois rôder souvent. Ta maman travaille ici? Non. Je suis encore personne. Quel âge as-tu, mon joli? 11 ans. Pas traîner sur le trottoir, c'est pas une place pour les mots. Allez, viens. Tu t'appelles comment? Momo. Et où sont tes parents, Momo? J'ai personne. Est-ce que vous croyez que je suis libre? Enfin, t'as bien quelqu'un pour s'occuper de toi. Je pourrais peut-être leur parler. J'aimerais bien m'occuper de toi. Je te mettrais dans un studio. Tu serais comme un petit roi. Je manquerais plus rien. Faut voir. Attends. Prends ça pour tes bonbons, mon petit chéri. Donne, Momo. Mais, madame... Y a pas de mais, donne les 100 francs. Quels 100 francs? Ne mens pas, Momo. Je sors du panier. Fleury, où j'ai vu Madame Fernande, qui a tout vu et tout entendu. Alors donne. Alors c'était bien vrai, hein. C'est pas pour ça que je t'ai élevé, Momo. C'est pas pour ça que je me suis saigné aux quatre veines, moi. Tiens. Ouf. J'ai envie de mourir tout de suite, moi. Madame Rosa. Momo, tu vas me jurer que tu recommenceras jamais, hein? Je vous le jure, Madame Rosa. Tu vas me jurer que tu ne deviendras pas un proxénète, comme tous ces macros. Je ne deviendrai jamais un proxénète, je vous le jure. Ben, j'espère, parce que...
Tu briserais le cœur de ta pauvre mère. Justement, ma pauvre mère, où elle est? Pourquoi vous voulez jamais en parler? Ne crie pas, Momo, ne crie pas, je t'en supplie, parce que tu sais, j'en ai pas pour longtemps. Et viens là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que t'as un père et une mère comme tout le monde? Pas autrement. Alors eux, ils sont venus un soir et puis t'ont déposé. Puis ta mère s'est mise à pleurer et puis elle est partie en courant. Alors moi, je t'ai porté Mohamed, musulman. Et puis je lui ai promis qu'ici, tu serais comme un petit prince. Et pourquoi ils ne sont jamais revenus? Pourquoi avant, ils m'envoyaient des mandats et maintenant rien? Si vous savez, Madame Rosa, il faut me le dire. Pourquoi elle ne vient jamais me voir, ma mère? Écoute, Momo, je vais te dire une chose. Pour moi, ta mère, elle a un préjugé bourgeois. Tu comprends, elle est d'une très, 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 très bonne famille. Et elle n'a pas voulu que tu saches le métier qu'elle était obligée de faire pour gagner sa vie, tu comprends? Mais ça va s'arranger, Momo, parce que... On va avoir deux enfants à garder, en plus des jumeaux de M. Moussa, du boueur. Ça va aller mieux, tu vas voir. Et dans le dos. Elle a eu un malaise. Dans l'escalier. Il faut appeler le docteur Katz. C'est pas le cancer, hein, docteur? Non. Mais non, c'est pas le cancer. Qui est-ce qui est l'aîné ici? C'est moi, docteur. Bon, je vais faire une ordonnance et puis tu vas aller à la pharmacie. Hein. Écoute, mon petit, Madame Rosa est très malade. Mais vous avez dit qu'elle n'avait pas le cancer, n'est-ce pas? Non, 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 ça elle n'a pas, ça, moi, c'est quand même très, très mauvais. Alors il vaudrait mieux qu'elle aille à l'hôpital, là-bas, au moins on pourra la surveiller en permanence. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a assez de maladies pour plusieurs personnes, je ne vais pas te les énumérer toutes. Ce qui est grave, c'est le... l'hypertension. Elle peut avoir une attaque d'un moment à l'autre. Puis il y a aussi qu'elle devient sénile. Sénile? Oui, enfin, gratteuse, si tu préfères. Bon, le sang et l'oxygène n'alimentent plus convenablement le cerveau. Alors, elle pourra plus penser. Elle va vivre comme un légume. Mais c'est pas le cancer, n'est-ce pas? Non, non, absolument pas. Ça, tu peux être tranquille. C'est... Momo... Faut pas pleurer, mon petit. Tu sais, c'est naturel que les vieux meurent. Toi, t'as toute la vie devant toi. Alors, qu'est-ce qu'il a encore dit hier, le docteur Katz? Je vais mourir? Pas spécialement, non, Madame Rosa, il a pas dit ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Il a pas compté, il a dit qu'il y avait un peu de tout, quoi. Les jambes, là. Qu'est-ce que j'ai aux jambes? Il a rien dit pour les jambes. Et qu'est-ce que j'ai au cœur? Il a pas insisté. Et les légumes? Comment, les légumes? Mais oui, j'ai entendu, il a parlé de légumes. Oh, qu'il fallait bouffer des légumes pour la santé, Madame Rosa. Vous nous avez fait toujours bouffer des légumes.
tu vas devenir sans moi, Momo? Je veux rien devenir du tout. Parce que t'es un beau petit garçon, tu comprends? Alors c'est dangereux. Il faudrait te méfier. Promets-moi que tu n'iras pas sur le trottoir. Je vous le promets. Jure-le-moi. Je vous le jure, Madame Rosa, vous pouvez être tranquille de ce côté. N'accepte jamais, hein, même si on te propose beaucoup d'argent. Même si je suis morte et que t'as plus que ton cul au monde. N'accepte jamais. I'm singing in the rain, you're singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. Pourquoi tu pleures? Je pleure pas. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est pas une larme? Non, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Bon, je vois que je me suis trompée. Come on with the rain, I've a smile on my face. Tu habites pas ici? Je suis pas français, je suis algérien. On est à Belleville. Tu t'appelles comment? Mohamed, on m'appelle plutôt Momo. Faut pas avoir peur. Tu es le plus beau petit garçon que j'ai jamais vu. Vous aussi, vous êtes pas mal. Merci. Au revoir, Mohamed. Tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ici? C'est un cinéma? Pas exactement. C'est une salle de montage. C'est ici qu'on met les bouts de film ensemble. Ça te plaît? C'est pas mal, surtout quand ça se met à revenir en arrière. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un vieux parapluie que j'ai renippé. Il est marrant avec son chapeau. On dirait un fétiche. C'est ton copain? Mais vous me prenez pour un demeuré ou quoi? C'est pas un copain, c'est un parapluie. Pourquoi tu lui as fait un visage vert? C'est pas un visage, c'est un chiffon. Les visages, ça nous est interdit. Comment ça, interdit? Je suis arabe et monsieur Hamid m'a dit que les visages, c'est interdit dans notre religion. Tu as quel âge? 11 ans. Il paraît que c'est aujourd'hui que je vais avoir ça. Écoute, si tu veux rester un peu, on ira tout à l'heure prendre un pot. Tu veux?
T'as vraiment eu l'air d'être intéressée. Je suis bien mariée. Tu peux revenir quand tu veux. J'ai pas tellement de temps. Je vous promets rien. J'aime bien quand on peut tout faire reculer. J'habite chez une dame qui va bientôt mourir. Tes parents sont pas à Paris? Tiens, c'est mon nom et mon adresse. Je m'appelle Nadine. J'ai un ami qui s'occupe des enfants. Un psychiatre? Pourquoi tu dis ça? Ce sont les pédiatres qui s'occupent des enfants. Seulement quand ils sont bébés, après c'est les psychiatres. Qui t'a appris ça? Tu m'as dit que tu as 11 ans, n'est-ce pas? Oui, un peu. Tu en sais des choses pour ton âge. Alors, c'est promis? Tu viendras nous voir? J'ai deux enfants qui sont moins âgés que toi, tu feras connaissance. Ah, vous avez déjà quelqu'un. Qu'est-ce que tu dis? Ils sont beaux comme vous, vos enfants. Écoute, mon chéri, tiens mon nom, mon adresse, ne le perds pas. Viens me voir quand tu veux. Où est-ce que tu habites? Allez, au revoir. Mais... Bonjour, maman. Bonjour, madame Lola. Comment elle va? Pas très fort. Tant d'années, ça fait vide, hein, sans le petit. Reste-toi, Momo. Bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai entendu dire que Madame Rosa n'était pas bien, alors... Momo, qui c'est? Entrez, monsieur. Madame, permettez-moi de... Merci, monsieur. Momo, arrête la musique. Asseyez-vous, monsieur. Je m'appelle Louis Charmette. Comme ce nom l'indique, vous pouvez lire vous-même. C'est une lettre de ma fille. Elle m'écrit une fois par mois. Chantez. Je suis retraité de la SNCF, cadre administratif. J'ai appris que vous étiez souffrante après 20 ans passés dans le même immeuble. Et j'ai voulu profiter de l'occasion. Très aimable. Momo. Oui, madame Rosa. Mais offre quelque chose à monsieur. Je prendrais bien un petit schnaps. Je vous remercie, madame. Ça m'est interdit. Ordre du médecin. Le sucre. Comprenez, il faut s'en méfier. À notre âge, la santé, c'est tout ce qui nous reste. Thank you.
la santé de Madame Rosa. Que Dieu vous fasse vivre 120 ans. Celui-là, faut pas m'en parler, hein. Il a qu'à rester là où il est. Mais pourquoi? Vous ne croyez pas en Dieu? Dieu, j'ai vu ce qu'il a fait à Auschwitz. Dieu, il a des yeux, il voit pas. Il a des oreilles, il entend pas. Il a une bouche et il parle pas. Ah, il est trop tard pour qu'il vienne me demander pardon, parce que ce qui est fait, est fait. Il me fait plus peur. Alors à mon enterrement, je veux pas de Dieu, je veux pas de rabbin, je veux rien. On n'aura qu'à me mettre sous un arbre. Je serais bien. C'est beau la campagne. Ces jambes-là, elles vont monter des étages. Parce que je me défendais très bien, moi. J'ai des clients, des habitués qui traversaient tout Paris pour venir me voir. Puis, si par hasard j'étais pas libre, ben, pour tout l'or du monde, ils ne seraient pas montés avec une autre. Hein. Tout l'or du monde, peut-être que j'exagère. Jusqu'à 50 ans passés, hein, j'ai eu des clients habituels. Ah, puis je me suis arrêté parce que j'ai trouvé que c'était plus esthétique. Alors je suis devenu une nourrice. Tant de pute parce que les enfants de pute, c'est des enfants comme on. Voilà. C'est marrant d'ailleurs parce que mes copines qui avaient des mots, elles étaient en nourrice forcément. Et c'était toujours à la campagne que ça se passait. Ça, j'aurais dû y penser, parce que les mômes, ça s'amuse mieux dans l'herbe, qu'au sixième étage. Et puis moi, j'ai toujours les escaliers à monter. Ah là, j'y pourrais être belle, madame Lola, seulement. Tout le monde n'a pas encore trouvé. En attendant, faut bien vivre. Comment ça va, monsieur ami? Bonjour, mon petit Victor. Je suis content de t'entendre. Je m'appelle Mohamed, je m'appelle pas Victor. Victor, c'est l'autre ami que vous avez. Mais bien sûr, mon petit Mohamed. J'ai placé ma confiance dans le vivant qui ne meurt pas. Comment t'ai-je appelé, mon petit Victor? Vous m'avez appelé Victor, monsieur Amil. Comment ai-je pu? Je te demande pardon. Ce n'est rien. Rien du tout. Comment ça va depuis hier? Depuis hier, tu me demandes? Hier ou aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je suis resté toute la journée ici, mon petit Victor. Un jour, j'écrirai un vrai livre, moi aussi. Qu'est-ce qu'il a fait de mieux, monsieur Victor Hugo? Ne me pose pas trop de questions, mon petit. Mohamed. Ne me pose pas trop de questions, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Il y aura quelqu'un pour vous raccompagner chez vous tout à l'heure? Inch'Allah. Il y a sûrement quelqu'un, car je crois en Dieu, mon petit Victor. Tu viens, Loulou?
que vous faites, Madame Rosa? Je les attends. Ils ont dit qu'ils allaient venir nous chercher. Ils ont dit qu'ils s'occuperaient de tout. Ils vont venir avec des camions et ils vont nous emmener au vélodrome. Ils ont dit qu'on prenne que le strict nécessaire. Qui ça, ils? La police française. Ils ont dit qu'on prenne qu'une valise. Puis là, ils vont nous emmener à la gare. Puis ils vont nous mettre dans un train qui va nous emmener en Allemagne. On nous fera aucun mal. Ils vont s'occuper de tout et moi, j'aurai plus aucun souci. Ben, qu'est-ce que je fais là, moi, avec ma valise, comme prête à partir? Vous avez rêvé, Madame Rosa. Ça n'a jamais fait de mal à personne de rêver un peu. T'es un grand garçon maintenant, Momo. Alors ça prouve que tu comprends les choses. T'es un grand garçon et je vais te dire... Madame Rosa? Elle est peut-être morte. Les nouvelles sont bonnes, mon petit Momo, hein. Ça n'est toujours pas le cancer, ça je peux vous rassurer tous. Seulement comme nous avons des moments difficiles, hein, parce que notre pauvre tête n'est pas privée de circulation, et puis comme notre cœur, nos reins sont pas ce qu'ils étaient autrefois, alors il vaudrait peut-être mieux que nous allions passer quelques temps à l'hôpital, hein, dans une grande belle salle, où tout finira par s'arranger. Momo, c'est l'hôpital maintenant, hein? Entendu? Tu vas me reporter mon nez. Ah, Moïse, tu vas aller nous acheter du pain. Hein? Puis moi, je vais nous faire la cuisine. Ça a toujours ça. Qu'est-ce qu'il y a, Madame Rosa? Vous n'allez pas encore foutre le camp? Non, non, je me sens très bien aujourd'hui. Seulement, si ça recommence, ils vont vouloir m'envoyer à l'hôpital, et moi, je veux pas y aller à l'hôpital. J'ai 65 ans. 67? Oui, enfin, j'ai 66. Je suis pas aussi vieille que j'en ai l'air, tu sais. Et je veux pas aller à l'hôpital parce qu'ils vont me torturer. Ils vont me faire vivre de force. Et moi, je veux pas vivre plus que ce qui est nécessaire. Et c'est peut-être plus nécessaire, d'ailleurs. J'ai des limites à tout, même pour les Juifs. Alors, à l'hôpital, ils vont me faire subir des sévices pour m'empêcher de mourir. J'ai un ami comme ça, il n'était pas juif, il avait plus de jambes, il avait plus de bras, et ben ils l'ont fait souffrir pendant 10 ans, il avait eu ça dans un accident, faut dire. Il l'a fait souffrir pendant 10 ans à l'hôpital, pour étudier sa circulation.
Moi, je veux pas vivre des années dans le coma pour la gloire de la médecine. Alors, si t'entends parler d'hôpital, tu prends un oreiller, là, et puis tu me le coches sur la figure et qu'on en finisse, hein. J'ai donné mon corps pendant 35 ans à des clients, c'est pas pour aujourd'hui le donner aux médecins. Voilà. Promis ? Promis, Madame Rosa. Madame Rosa, c'est bien ici. Qui ? Madame Rosa. C'est pas moi. Je suis un homme malade, je sors de l'hôpital. Je veux voir mon fils avant de mourir. Je suis confié à Madame Rosa. Et 11 ans de ça. J'ai un reçu. Voilà. Attendez, je vais voir. Il y a un type avec une sale gueule qui demande son fils qui vous a confié. Il n'y a plus que toi et Moïse. Alors c'est Moïse. Ça c'est pour faire chanter la mère. Bon, les macros, moi ça me fait pas peur. Et puis de toute façon, ils ne peuvent rien prouver parce que j'ai tous les faux papiers en règle. Alors. Bon, ben, je vais rentrer. Et puis, dis-moi, s'il a l'air de jouer au dur, t'es à chercher monsieur. Tu vas m'aider, hein. Alors, vous désirez ? Je vous ai confié mon fils il y a 11 ans. Je n'ai pas fait signe de vie plus tôt. J'étais à l'hôpital psychiatrique. Votre reçu était chez le frère de ma femme, qui est morte tragiquement, comme vous n'êtes pas sans ignorer. On m'a laissé sortir ce matin. J'ai retrouvé le reçu et je suis venu. Je m'appelle Kadir Youssef. Et je viens voir mon fils, Moukhi. Je vais lui dire bonjour. Comment vous avez dit déjà ? Madame, je suis un homme malade. Oh, qui ne l'est pas, qui ne l'est pas. Dame, j'étais 11 ans dans un hôpital psychiatrique, enfermé. Après cette tragédie dans les journaux, où je suis entièrement irresponsable. Comment déjà vous avez dit le nom de votre fils ? Mohamed. Et le nom de la mère, vous vous en souvenez ? Madame, vous savez que je suis irresponsable. J'ai été reconnu et certifié comme tel. Si maman a fait ça, je n'y suis pour rien. Bon, elle faisait jusqu'à 15 passes par jour. J'ai fini par devenir jaloux. Et je l'ai tué. Oui, je le sais. Mais je ne suis pas responsable. Je l'ai mis à la folie. Je ne pouvais pas vivre sans elle. Ah, ben ça, bien sûr, monsieur Kadir, vous ne pouviez pas vivre sans elle, parce que Aïcha, elle vous rapportait 100 000 balles par jour. Alors vous l'avez tuée pour qu'elle vous rapporte plus. Et à part ça, monsieur Kadir, comment ça va ? Ça va, madame Rosa. Je vais mourir. Quoi ? Mazel tov. Merci. Je voudrais voir mon fils. Vous me devez 3 ans de pension et ça fait 11 ans que vous n'avez pas donné signe de vie. Signe de vie ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? L'argent. Voulez-vous que j'en trouve ? Oh, mais ça, c'est des choses. Je ne veux même pas entrer dedans.
Madame, quand nous vous avons confié notre fils, j'étais en pleine possession de mes moyens. J'avais 3 femmes qui travaillaient au hall, dont une que j'aimais tendrement. J'avais même un nom social, Youssef Kadir, bien connu de la police. Oui, madame, Youssef Kadir, bien connu de la police. C'était même en toutes lettres dans le journal. Monsieur Kadir, on n'a pas le droit de laisser tomber son gosse pendant 11 ans comme une merde, sans payer. Mais j'étais dans l'impossibilité matérielle. J'ai là un certificat médical qui le prouve. Les documents qui prouvent les choses, je veux pas. Madame, je ne peux pas rendre la vie à Aïcha. Mais je voudrais embrasser mon fils. Lui demander de me pardonner. Priez Dieu pour moi. C'est lui. Moïse. Madame Rosa. Bien bonjour à ton papa. Bonjour papa. Pardon, qu'est-ce que j'ai entendu? Vous avez dit Moïse? Ben oui, j'ai dit Moïse. Et alors? Mais Moïse, c'est un nom juif. Je vous ai confié à Mohamed, madame. Pas un Moïse. Mais vous êtes sûr? Sûr de quoi, madame? Je vous ai confié il y a 11 ans un fils musulman, âgé de 3 ans, prénommé Mohamed. Je vous ai donné un fils arabe en bonne et due forme. Je veux que vous me rendiez un fils arabe. Je n'ai rien contre les juifs, madame. Dieu leur pardonne. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas juif? Madame, je suis persécuté sans être juif. Il y a d'autres gens que les juifs qui ont le droit d'être persécutés. Je ne veux pas avoir de fils juif sous aucun prétexte. J'ai assez d'ennuis comme ça. Bon, écoutez, alors, vous énervez pas, hein, parce que, je sais pas, moi, il y a peut-être une erreur, je sais pas, on va voir. Tiens, Momo, passe-moi les papiers, là. Voilà, voilà, voilà. Alors, voilà, le 5 novembre 1966 et des poussières. Comment des poussières? Je pourrais arrondir. J'ai reçu 2 garçons, l'un dans un état musulman et de l'autre dans l'état juif. Le même jour. Ça explique. Je me suis trompé. Je me suis trompé de religion. Comment ça? Oui, j'ai élevé Mohamed comme Moïse et Moïse comme Mohamed. Alors, forcément, ils sont arrivés le même jour, alors j'ai mélangé, quoi. Ce qui fait que le petit Moïse, le bon, eh ben, aujourd'hui, il est dans une très bonne famille musulmane à Marseille. Et le petit Mohamed, enfin le vôtre, ici présent, eh ben je l'ai élevé en juif, avec bar mitzvah et tout, et il a mangé kasher tous les jours, ça, pouvait être tranquille. Comment? Mon fils, toujours mangé kasher? Il a eu sa bar mitzvah? Mon fils Mohamed a été rendu juif? Ah oui, j'ai fait une erreur, quoi. Vous savez, un enfant de 3 ans, ça n'a pas une très grande identité, même s'il est circoncis. Alors, je me suis trompé de circoncis. J'ai élevé Mohamed en bon petit juif. Ça, vous savez, quand on laisse son enfant pendant 11 ans sans le voir, faut pas s'étonner après, hein, s'il devient juif. J'étais dans l'impossibilité clinique. Bon, enfin, écoutez, il était arabe, maintenant il est un petit peu juif, voilà, c'est tout. Sinon, c'est quand même toujours votre petit. C'est pas le même! On me l'a baptisé! Ah, monsieur Kadir, je vous en prie. Non, ça, on n'a pas baptisé. Tu le protèges. Non, Moïse a été élevé comme un bon petit juif. Pas vraiment, Ishé, que tu as été élevé comme un bon petit juif. Oui, madame Rosa. Je veux qu'on me rende mon fils dans l'état dans lequel il se trouvait. Mon fils dans un état arabe, pas dans un état juif.
Écoutez, il n'y a pas d'État arabe, il n'y a pas d'État juif ici, ça compte pas, voilà. Alors, si vous voulez reprendre votre fils, vous allez le reprendre dans l'État dans lequel il est. Parce que, d'abord, vous tuez la mère du petit. Ensuite, vous faites porter psychiatrique. Et maintenant, vous venez ici me faire un état parce que le gosse a été élevé en juif en tout bien, tout honneur. Alors, Moïse, va embrasser ton père. Si ça le tue, c'est quand c'est même pas mon père. Mais qu'est-ce qu'il a? Il bouge plus. Oh mon Dieu, Momo, faut faire quelque chose. Il faut appeler police secours et il faut pas qu'on le trouve ici. C'est de la peine, Momo. Non, Madame Rosa. Je suis content d'avoir 14 ans. Oui, c'est mieux comme ça. Puis tu sais, avoir un père psychiatrique, c'est pas du tout ce qu'il te fallait. Surtout que des fois, c'est héréditaire. C'est vrai, Madame Rosa. J'ai eu du pot. Et Aïcha, elle plaisait beaucoup, alors... Va-t'en savoir qui est le vrai père, non? Mohamed. Qu'est-ce qu'il y a, Mohamed? Mohamed, parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien. Écoute, j'ai fini mon travail, on va aller chez moi et tu vas tout me raconter. D'accord? C'est Mohamed. Salut Mohamed. Mohamed, c'est Ramon, mon ami. Something must have happened to him. Doesn't want to talk about it. He's in a state of shock. I'm sure he's hungry. I'll bring some sandwiches. The tea's ready. Elle se défendait avec son cul quand elle était jeune et belle, mais ce n'était plus esthétique quand elle est revenue d'Allemagne comme déportée. Alors elle a ouvert un clan D pour les enfants de pute. Vous savez, on peut les faire chanter longtemps comme ça. Et elles sont obligées de planquer leur môme. Parce qu'il y a des voisins qui sont des salauds et qui vous dénoncent à l'assistance publique. C'est pour moi, ça ?
Non, c'est pour moi. T'en occupe pas. Tu disais que ton père était venu hier. Il sortait de l'hôpital. Il m'avait mis en pension avant de tuer ma mère. Alors on l'a pris pour un psychiatrique. Et alors il est venu me réclamer. Mais Madame Rosa a rien voulu savoir. Parce que c'est pas bon pour moi d'avoir un père psychiatrique. Ça peut être héréditaire. Écoute, je suis un peu médecin. L'hérédité, j'y crois pas beaucoup. Faut pas compter là-dessus. Hein. C'est ce que dit le docteur Katz. Je vous ai pas encore parlé du docteur Katz, qui est bien connu de tous les juifs pour sa charité chrétienne. Madame Rosa, elle a eu peur pour moi. Elle a dit que c'était Moïse, son fils, qui est juif. Il y a aussi des Moïse chez les Arabes, mais ils sont pas juifs. Alors, vous pensez, monsieur Youssef Kadir, qui était un arabe et musulman, quand on lui a rendu un fils juif, il a fait un malheur et il est mort. Mort ? Mon Dieu, mais c'est terrible. Monsieur Youssef Kadir ne pouvait rien prouver, parce que quand on est fils de pute, on sait pas qui est le père là-dedans. Aïcha, c'était ma mère et elle se faisait jusqu'à 20 passes par jour. Tu sais, Mohamed, être un enfant de pute, c'est plutôt mieux qu'autre chose, parce qu'on peut choisir le père qu'on veut. D'accord, mais c'est dommage que c'est pas comme dans votre salle, Madame Nadine, où on peut tout mettre en marche arrière et revenir chez sa mère à l'intérieur. Madame Rosa, elle serait jeune et jolie comme sur sa photo. Ce qu'il y a de dégueulasse, c'est qu'on a... Il n'est pas permis d'avorter les vieilles personnes comme Madame Rosa qui en aura le bol. Qu'est-ce que tu veux dire par avorter ? J'ai jamais entendu une histoire pareille. On devrait pouvoir faire quelque chose pour elle, non ? Madame Rosa est la personne la plus moche et la plus seule que j'ai jamais vue. Heureusement que je suis là parce que personne n'en voudrait. C'est dégueulasse. Moi, je comprends pas pourquoi il y a des gens qui ont tout. Qui sont moches, vieux, malades et d'autres qui n'ont jamais rien. Non, c'est pas juste, hein. Monsieur Amil, le marchand de tapis bien connu, et qui m'a appris tout ce que je sais, et qui maintenant est aveugle, Monsieur Amil, il a un livre de Monsieur Victor Hugo. Et quand je serai grand, moi aussi j'écrirai Les Misérables, parce que c'est toujours ce qu'on écrit quand on a quelque chose à dire. Comment faites-vous pour vivre depuis que Madame Rosa ne reçoit pas des gosses en pension ? Eh ben, on se défend. Il y a aussi Madame Lola qui nous aide. C'est un boxeur qui est devenu une femme avec des piqûres. Elle se défend au bois de Boulogne. Écoute, maman, je te raccompagne en voiture. Ramon viendra avec nous voir s'il peut faire quelque chose pour Madame Rosa. D'accord? Oh, pardon. Je vous présente notre ami Mohamed. Pourquoi la vie comme ça? Tu es arabe? Maman, personne! Tu parles bien! Bonne attente! Momo. Mais c'est pas Madame Rosa. Momo, j'ai entendu ça. Ils sont venus en ambulance. C'est pas pour vous, c'est pour Monsieur Charmette, je l'ai vu. Non, ils vont venir, mais c'est bon. N'ayez pas peur. Ils ne savent même pas que vous êtes là. Ils ne vont pas vous prendre. J'ai peur, Momo, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur, Momo. J'ai peur, Momo. Allez, Momo, va me vider ça. On va vous faire belle maintenant. C'est ma fille, là. Alors, elle n'est pas belle comme ça, Madame Rosa ? Allez, je vous laisse. Inch'Allah, Momo, tu vas bientôt mourir. Inch'Allah, Madame Rosa.
Je suis content de mourir. Mais il faudra pas les laisser mener à l'hôpital. À aucun prix. Je vous le jure, Madame Rosa, tant que je serai là, vous n'irez jamais à l'hôpital. Madame Rosa, pourquoi vous m'avez menti? Tu t'es menti, moi? Pourquoi vous avez dit que j'avais 11 ans alors que j'en ai 14? Parce que j'avais peur que tu me quittes, moi. Alors je te rajeunis. T'as toujours été mon petit homme, j'en ai jamais aimé un autre. Alors, je comptais les années qui passaient et j'avais peur. J'avais peur que tu deviennes grand trop vite, tu comprends? Excuse-moi. Écoute, Momo, faut la transporter à l'hôpital. Hein. Non, elle peut plus rester ici, je vais appeler une ambulance. Qu'est-ce qu'on va lui faire à l'hôpital? On va la soigner. À l'hôpital, elle peut vivre encore longtemps. Dites, docteur, est-ce que vous pourriez pas la tuer entre juifs? Comment la tuer? Qu'est-ce que tu racontes? Ben, la tuer pour l'empêcher de souffrir. Mais non, mon petit Momo, on peut pas faire ça, oui. L'euthanasie, c'est formellement interdit par la loi. Nous sommes dans un pays civilisé, si tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais très bien ce que je dis. Je suis algérien et là-bas, ils ont le droit sacré des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le droit sacré des peuples, ça existe, oui ou merde? Ah, bien sûr que ça existe. Bien sûr que ça existe. C'est même une grande et belle chose, mais je ne vois pas le rapport. Ben, le rapport, c'est que Madame Rosa a le droit sacré des peuples à disposer d'elle-même. Et que, si elle veut mourir, c'est son droit. Et c'est vous qui devriez le faire. Parce qu'il faut un docteur juif pour ça. Faut pas qu'il y ait d'antisémitisme. Vous devriez quand même pas vous faire souffrir entre juifs, c'est dégueulasse. Tu sais pas ce que tu dis, mon pauvre enfant. Mais tu sais pas ce que tu dis. Je ne suis pas votre enfant. Je ne suis pas un enfant du tout. J'ai 14 ans, je suis fils de pute et mon père a tué ma mère. Qu'est-ce qui t'a dit ça? Qu'est-ce qui t'a dit ces choses-là? Ça ne fait rien qu'il me l'a dit. Et ne me regardez pas comme ça, docteur. Parce que je veux pas vous faire une crise de violence. Je ne suis pas psychiatrique, je ne suis pas héréditaire. Je vais pas tuer ma pute de mère parce que c'est déjà fait. Je vous emmerde tous, sauf Madame Rosa qui est la seule personne que j'aime. Je vais pas la laisser devenir un légume pour vous faire plaisir. Alors si vous étiez un bon juif avec un vrai cœur, vous feriez une bonne action et vous feriez une piqûre pour la sauver de la vie. Mon petit Momo, il n'y a pas de Momo qui tienne. C'est oui ou c'est merde. Mais j'ai pas le droit de faire ça, Momo, c'est pas possible. L'euthanasie, c'est sévèrement puni. Non, il faut la transporter à l'hôpital, parce que c'est une chose humanitaire. Est-ce qu'ils me prendront avec elle à l'hôpital? Non, non, ils prendront. Enfin, tu pourras toujours lui faire des visites, hein. Seulement, bientôt, elle ne te reconnaîtra plus. Bon, et à propos, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu peux pas vivre seul? Vous en faites pas pour moi. Je connais des tas de putes à Pigalle et j'ai déjà reçu plusieurs propositions. Écoutez, n'appelez pas l'hôpital, laissez-nous encore 2 ou 3 jours. Peut-être qu'elle va mourir toute seule et puis faut aussi que je me débrouille parce qu'autrement ils vont me mettre à l'assistance. Bon, ben, je veux bien attendre quelques jours, mais après il faudra la mettre à l'hôpital. Hein. Nous n'avons pas le droit d'abréger ses souffrances, Momo. Bon, en attendant, je ne sais pas, faites-lui faire un peu d'exercice. Hein. Bon, ben, mettez-la debout, remuez-la un peu, là, faites-lui faire quelques petites promenades dans sa chambre. Hein. 2 ou 3 jours, pas plus. Hein. Qu'est-ce qu'il a raconté encore là dans la cuisine? Rien. Écoute, Momo. Je suis une vieille juive et on m'a tout fait ce qu'on peut faire à la Mensch. Hein. Alors je sais qu'il y a des jours où j'ai plus ma tête. Mais je veux savoir. C'est rien, Madame Rosa, on peut très bien vivre comme ça. Comment comme ça? Comme un légume, Madame Rosa, ils veulent faire vivre comme un légume. Ils vont venir me chercher, hein? Quand? Je ne sais pas, dans 1 jour ou 2. Mais j'irai pas.
Et je ne sais plus quoi faire, Madame Rosa. C'est tous des salauds. Ils ne veulent même pas vous aider à mourir. C'est Gestapo. Il faut marcher, Madame Rosa. Le docteur a dit qu'il fallait marcher. Pas moche, Madame Rosa. Qu'est-ce qu'il nous reste comme argent? Madame Lola nous a donné 100 francs, elle nous en redonnera encore. C'est que c'est dur le bois de Boulogne, moi j'aurais pas pu. Madame Lola, c'est une sainte. Dis donc, Momo, à propos. Oui, Madame Rosa. Tu te rappelles, toi, là? Tu sais la prière que je faisais toujours réciter à Moïse. Celle qui commence par Shema Israël. Oui. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai, Adonai. Madame Rosa? Madame Rosa? Ça alors, c'est pas vrai, mais vous... Vous êtes tous devenus fous. Mais posez-la tout de suite. Mais posez-la tout de suite, je vous dis. Allez, dépêchez-vous. Allez, allez, allez. Doucement, hein. Là, là, tout doucement. Là, bon, ça va, allez, allez, vous en. Allez, allez. Tu es fou, tu es devenu complètement fou. Mais vous m'avez dit qu'il fallait remuer. Mais pas comme ça. Ça suffit, je téléphone à l'hôpital, elle peut pas rester ici. Docteur Katz. Quoi? Vous pouvez pas. Ah, comment ça je peux pas? Pas aujourd'hui. Vous pouvez pas la mettre à l'hôpital aujourd'hui. Pourquoi? Aujourd'hui, elle a de la famille. Comment de la famille? Elle a la personne au monde. Elle a de la famille en Israël. Ils arrivent aujourd'hui. Elle a de la famille en Israël? Ça, je savais pas, ça, elle ne l'a jamais dit. Ils arrivent pour la chercher. Ils vont l'emmener avec eux. C'est tout arrangé. Ils prennent l'avion demain. Et ils sont très riches, ils ont des magasins, tout ce qu'il faut, quoi. Ça, c'est une bonne nouvelle. La pauvre femme, elle a déjà tellement souffert dans sa vie. Mais comment ça se fait qu'ils n'y ont pas donné signe de vie avant? Elle voulait pas m'abandonner. Maintenant, elle veut pas. Mais je l'ai supplié. Je lui ai dit, Madame Rosa, allez dans votre famille. Vous allez mourir tranquillement là-bas. Ici, vous êtes rien. En Israël, vous serez mieux. C'est bien la première fois qu'un arabe envoie un juif en Israël. Enfin. Ben, dis donc, mais qu'est-ce que tu vas devenir, toi, mon petit Mohamed? Je me débrouillerai ici en attendant, et puis après, la famille de Madame Rosa va me faire venir. Ben, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Hein? Ouais, ben, elle sera certainement mieux dans sa famille. Ils ont des très bons médecins là-bas. Dis à sa famille de passer me voir. Je suis presque toujours là maintenant, tu sais, je bouge plus. Ah, et puis si Madame Rosa reprend conscience avant son départ, ben, tu lui diras que je la félicite. Hein? Je lui dirai, Mazal Tov.
mot. Oui, Madame Rosa. J'ai tout entendu, tu sais. Je sais, j'ai vu quand vous avez regardé. Alors, tu m'en veux un d'Israël? T'as bien fait, tu sais. Seulement, tu vas m'aider, hein? Bien sûr que je vais vous aider, Madame Rosa. Dépêchez-vous, Madame Rosa. Vite, il faut partir. Ils arrivent. Non, pas encore. Mais il faut partir d'ici. On va aller en Israël. Vous vous souvenez? On était bien ensemble toujours, hein, tous les deux. Oui, Madame Rosa. Ah, maintenant, faut que tu m'aides à réciter ma prière parce que je pourrais peut-être plus jamais. Hein. Shema Israël. Madame Rosa? Madame Rosa? Ah, c'est trois moments.
Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas, maman? Je voulais vous dire adieu pour Madame Rosa. On l'a emmenée à l'hôpital? Non, pas à l'hôpital. Elle est dans son trou juif. Où? Elle est partie en Israël. Ils sont venus la chercher en avion. Qui? Sa famille. Ils sont venus la chercher. Et elle t'a laissée seule? Non, moi aussi je vais partir là-bas. Elle va me faire venir. Mais tu as de la fièvre, Momo. Non, ça va aller. Tiens, mange avec moi, ça te fera du bien. Oh, merci, je ne mange plus. Comment tu ne manges plus? Qu'est-ce que tu racontes? Manger, c'est une loi de la nature. Ouais, loi de la nature, je m'en fous. Moi aussi, je m'en fous, Momo. Tu ne veux pas vivre avec moi en attendant? Non, merci, Madame Lola. Prends ça. Merci, Madame Lola. Je suis redescendue et je me suis enfermée avec Madame Rosa dans son trou juif. Mais j'ai pas pu tenir. Je suis ressortie et j'ai acheté des couleurs. Et puis des bouteilles de parfum à la parfumerie bien connue de Monsieur Jacques. Je voulais rien manger pour punir tout le monde. Mais c'était même plus la peine de leur adresser la parole. J'ai bouffé des saucisses dans une brasserie. Quand je suis rentrée, Madame Rosa sentait encore plus fort. Et je lui ai versé dessus une bouteille de parfum Samba qui était son préféré. Je lui ai peint ensuite la figure avec toutes les couleurs que j'ai achetées pour qu'elle se voie moins. Je voyais bien qu'elle ne respirait plus, mais ça m'était égal. Je l'aimais même sans respirer. Je me suis mis à côté d'elle, sur le matelas, avec mon parapluie Arthur. Et j'ai essayé de me sentir encore plus mal pour mourir tout à fait. Ce n'est pas vrai que je suis restée 3 semaines à côté du cadavre de ma mère adoptive, parce que Madame Rosa n'était pas ma mère adoptive. C'est pas vrai. Et j'aurais pas pu tenir. Parce que j'avais plus de parfum. Quand ils ont enfoncé la porte pour voir d'où ça venait, et qu'ils m'ont vu coucher à côté, ils se sont mis à gueuler, au secours, quelle horreur. Mais ils n'avaient pas pensé à gueuler avant, parce que la vie n'a pas d'odeur. Ils m'ont transporté en ambulance, et ils ont trouvé dans ma poche le bout de papier avec le nom et l'adresse. Ils vous ont appelé parce que vous avez le téléphone. Ils ont pensé que vous étiez quelque chose pour moi. C'est comme ça que vous êtes arrivé et que vous m'avez pris chez vous à la campagne, sans aucune obligation de ma part. Je pense que Monsieur Emile avait raison, quand il avait encore sa tête, et qu'on ne peut pas vivre sans quelqu'un à aimer. Mais je vous promets rien, il faut voir. Moi j'ai aimé Madame Rosa, et je vais continuer à la voir. Je veux bien rester chez vous un bout de temps, puisque vos mômes me le demandent. C'est Madame Nadine qui m'a montré comment on peut faire reculer le monde. Je suis très intéressée et je le souhaite de tout mon cœur. Le docteur Ramon est même allé chercher mon parapluie Arthur. Je me faisais du mauvais sang, car personne n'en voudrait à cause de sa valeur sentimentale. Il faut aimer. Thank you.